aucun recording, je n'ai pas changé de scène. Hop, voilà, on est de retour pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Toujours en live, toujours accompagné des viewers. Et pour vous faire rêver, pour vous envoyer un petit peu de rêve en cette période de LCS, c'est-à-dire de beaux jeux, de gros plays, eh ben j'ai sorti Ziggs. C'est ça la première fois que je jouais en live pour vous. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais je pense qu'on va se marrer un petit peu quand même. Hop, alors, Crocodile qui nous dit... Salut Arty, tu me dirais d'acheter Ziggs ou Riven ou autre assez bon. S'il te plaît, j'aime bien jouer au top et au mid. Ah bah Riven, c'est très bien hein. Moi j'aime bien jouer Mundo en ce moment, top. Hein. Mundo, ça marche bien, c'est une belle saloperie. Mais après, voilà, moi si j'étais pas objectif et que je te donnais mon avis perso, je te dirais, ah c'est Jace. Et Jace, c'est mon personnage préféré, c'est mon main top. C'est celui que je préfère, clairement. Mais ça, et en plus, ça reste une valeur sûre malgré les nerfs, je trouve. Je trouve que ça reste une belle forme. Si c'est bien joué, bien entendu. Le smite contre Aimer, t'en penses quoi? Non, je pense pas que ça soit. Je pense pas que ça soit super utile dans le sens où vous avez déjà suffisamment d'arguments avec Ziggs pour pouvoir péter ses tourelles assez safe. Un smite en plus, c'est pas. Alors ailleurs, c'est pour péter la grosse tourelle, mais juste baser un smite là-dessus, je trouve ça un petit peu useless. C'est largement ce qu'il faut, je pense. Surtout, n'arrête pas tes vidéos de tests qui a vraiment donné envie de jouer à Rust et on m'en fait commencer Neverwinter. Ben merci à toi Torx, mais promis je n'arrêterai pas les vidéos. Je trouve que c'est toi qui fais le meilleur stream sur la TV2 stream. Ben merci à toi Sébastien 80. Et bien entendu que c'est moi qui fais le meilleur stream sans déconner. Vous savez qui je suis? Non, c'est pas grave. Le salaud. Oh, ils ont mis des nouvelles potions de vie, c'est beau. Alors on va prendre la petite trinket. Voilà, on va juste vérifier une chose, c'est que mon truc soit bien placé, il n'est pas bien placé. Voilà, on va le mettre comme ça. Et on va partir sur notre petite lane mid. Hein, voilà, très bien. Qu'est-ce que c'est que ces IPS dégueulasses par contre? J'ai dit, oh là là, réinitialiser. J'ai de réinitialiser la salaud qui change les touches. Bravo, salaud de Tsukiyo. Ah, le salaud. Popo de Mana, on dirait des suppositoires en forme de téton. Écoutez, je vais regarder ça dès que j'aurai réglé la vitesse de ma souris qui n'est pour moi pas assez rapide. C'est déjà un petit peu mieux. Alors, je ne suis absolument pas positionné pour. Comment dire? Comment on dit déjà? Le mec a complètement oublié ses mots, je suis fatigué ce soir. Pour faire de la coupe. Mais bon, on va se mettre dans le coin. Bon, voyons voir un petit peu comment ça fonctionne, Fizz. Je vous rappelle, je l'ai testé il y a genre un mois, un truc comme ça, quand je l'ai acheté. Je sais pas, une fois chez moi à la maison, je me suis dit non, on va tester l'autre. Hey John, est-ce que ton papier peint de ta chambre te manque? Non, pas plus que ça pour être tout à fait franc, quoi. Rapproche ton micro de ta bouche. Non, en fait, tout simplement, je veux augmenter le son de mon micro, c'est magique, hein, vous avez vu. Oh, regardez ça, on m'entend vachement mieux. Ziggs, pas Fizz, pourquoi j'ai dit Fizz? Je sais pas. Est-ce que ta barbe est soyeuse? Elle l'est. Elle est très douce et soyeuse. C'est quoi ta chanson? Je sais pas, c'est sur. C'est Radio Electro sur Jamendo, tout simplement. C'est de la musique libre de droit. Comme ça, je ne suis pas emmerdé quand je fais des records. Je peux les foutre sur YouTube et les monétiser parce que oui, je vais pas vous le cacher. Si on peut se faire du fric, hein. Y a pas. Ah, on est quand même un. Oh, en France, les mecs, ils sont là. Oh putain, ils font du fric, c'est dégueulasse. Bah non, c'est pas dégueulasse. Ça s'appelle être malin. Hein, ça me rappelle que. Voilà, ça me coûte rien, ça vous coûte rien. Bah, autant en faire un petit peu de côté, hein. T'as très bien. Voilà. Alors, où qu'il est mon aimer ou nez? Voyons. Alors, on va attendre un petit peu. Ah oui, c'est vrai, le passif de voilà, le passif de Ziggs, il est sympa. Il fait que c'est plus facile pour creeper, quoi. Alors, SS, mon mid, hein, pour le moment. Par contre, la minimap est toute petite. Alors, je change ça parce que je trouve ça assez infâme et moi, je ne vois rien. Je sais pas qui c'est qui utilise. Mais ça doit être Tsukiyo, pareil, qui utilise la minimap toute petite. Mais ça, j'aime pas du tout, par contre. Hein. Ah, par contre 10 secondes c'est long à revenir, est-ce que c'est réduit, est-ce que c'est réductible par la CDR, tiens, le passif de Ziggs, excellente question. Oh ben voilà, très bien, ah très bien, oui, c'est quoi, c'est du Ziggs bot, très bien, ben pourquoi pas, du Ziggs, pourquoi Ziggs, Ziggs, Rhythm, hop, tiens, t'avais une tourelle connard, mais ça c'était avant. J'aime bien ce perso quand même, il a une grande portée. J'aime bien jouer en fait des comment ça s'appelle, des mids très très safe, c'est-à-dire avec vraiment une grosse portée d'auto-attaque. Hein. J'aime pas jouer des mids un peu. Enfin, auto-attaque de race, on va dire. J'aime pas jouer les mids un petit peu trop fragiles, un petit peu trop corps à corps. Je trouve que c'est vraiment pas mon délire. Quoi. Quitte à jouer des distances, autant les jouer à fond, quoi. Oh! T'avais une wave de creep, hein. Putain, ça pousse vachement bien cette merde, mine de rien. Ouh la vache, mais attendez pas, quoi. Luxe aussi, voilà, Luxe aussi, c'est par exemple, c'est typiquement ce genre d'AP que je joue pas, mais si je devais jouer des AP, oui, c'est vraiment celui que je jouerais. Attention, hein, ça va vers le top un petit peu, là, genre vénère et tout, qu'est-ce qui se passe, c'est ici la famille, tout ça. Oh putain! Oh putain, c'est sur mes fesses! Non, lâche-moi! Lâche-moi, me force pas à utiliser mon flash, connard! Donc le Udyr pas trop mauvais, hein, pas trop mauvais dans le sens où il est vraiment venu ganker par
la position qui était la plus juste à ce moment-là, c'est-à-dire celle où j'étais le plus susceptible de me faire choper. Alors voyez un petit peu, il en a combien mon Hammer? Il en a 19, j'en ai 19. Ah mais il ferme aussi, hein. Il ferme aussi, mais le truc c'est que je peux pas encore vraiment la race, attention, hein, ça fonce. Oh la vache. Alors le Xin, bah là non Xin, bah non, non, mauvaise idée. Mon petit Xin qui s'est fait choper. Ah non, dommage. Et là je pouvais pas t'aider, hein, j'étais trop loin mon ami. C'est pas que je voulais... Oh putain, en plus double buff, t'es sérieux? Kill double buff, ah bah voilà, bah là je suis bien là, je peux être... Oh. Ça ici tranquillou, voilà, histoire de rester à peu près bien. Oh non, bah non, si le mec il commence avec double buff, ça va pas. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires là? Le mec déçu quoi. Putain. Oh putain. Bon bah tant pis. Bon bah tant pis. Baisse ta musique, je la baisserai un tout petit peu après dès que je pourrai, bien entendu, là en face de lane comme ça, sachant que le mec a de quoi maras en continu, je vais pas m'endormir. Le coup. Non, le Xin qui revient, qui est vénère, mais là j'ai plus de popo en plus. Oh non, c'est, ah, c'est tellement infâme. C'est tellement infâme, regardez, en plus il a vraiment de quoi sustain ce salaud. Allez, chope-le. Non mais là, non. Oh putain, là je peux pas t'aider. Oh non, l'embrasse qui ne passera pas. Oh, déception. Infâme, salaud. Non, fais gaffe, il a une ward, il va te shooter, reste pas là. Ah, je l'ai dit, mais il va se faire tuer. Mon dieu. Oh non, il l'a eu. Oh, il a récupéré son double buff. Oh, c'est magique. Oh, il a vraiment eu beaucoup de chance. Ah non, salaud, viens ici. Non, 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 non. Viens, viens, viens. Ah. Allez, tiens. Je te poke, moi. Je te poke. Alors, on va essayer de le faire au corps à corps, mais ça reste chaud. Voilà. On l'a eu. Brrr. Heureusement, j'avais plus grand-chose. Hein. J'avais plus grand-chose. Il fallait que j'attende et que j'essaye de lui mettre un petit peu la bite en sneaky à ce petit Udyr là. Là, j'avais plus vraiment beaucoup de mana sur moi, donc ça restait tendu. Mais du coup, on s'est mis bien niveau gold. Alors, voyons comment il le joue, tiens. Ça, c'est une bonne idée. Je pense que je vais faire un petit Graal. Déjà, on va commencer par un petit peu de résiste. On va se prendre un deuxième Doran, je pense, et quelques topos. Voilà, histoire de se mettre un petit peu bien, d'avoir... Se dire, on reste sur la laine, on essaye de tenir un petit peu. Lis ton Z en détail, Arty. Ah, je connais le Z, ne vous inquiétez pas, je connais, je sais que je peux propulser, etc. Ce n'est pas parce qu'en fait, je n'ai pas joué le perso que je ne le connais pas. C'est juste qu'après, quand vous n'avez pas joué un perso, effectivement, vous galérez un petit peu parce que, comment dire, vous n'avez pas les réflexes, vous n'avez pas les mécaniques, même si vous les connaissez. Entre les connaître et les appliquer, c'est complètement différent pour le coup, quoi. Alors, avec un peu de chance, il va essayer de cleanse très rapidement ma wave. Je veux la tourelle. Alors on essaye de la race un petit peu, salopard là. Enfin, on essaye, non, on profite, hein. On a un bleu, on tente se faire plaisir. D'ailleurs, ouais, effectivement, j'ai récupéré un bleu, donc ça c'est nice. Tiens, t'aimes ça, t'en prends plein la gueule, salaud. Donc, voilà, on profite, c'est assez fort quand même, Ziggs, hein. Faut reconnaître que c'est un perso vraiment très fort, je trouve. C'est un petit peu, bah, on comprend pourquoi il est top tier actuellement, quoi. Mais je me demande si l'autre salopio va pas venir reganker par le même endroit que tout à l'heure. Hein. Et 16 du mid, attention. 16 du mid pour le moment. Voilà, j'ai la méga bombe, donc on va voir si je vais être un génie de l'ulti. Un génie du global, j'ai envie de dire. Là, il est 6 aussi, donc faudra faire un petit peu attention parce qu'il peut me zoner. Voilà, quelques PO, récupérer habilement au passage. La mèche est allumée, la mèche est allumée. Oh, il y a personne pour le moment. Je me fie toujours, hein, de ce Udyr qui a tendance à vraiment venir au mid. C'est quand même la troisième fois qu'il vient au mid. Pour l'instant, bon, ça m'a été favorable. Que le sort vous soit favorable. Vite un petit peu. On va attendre d'essayer de le prendre hors CD. Pas la portée malheureusement. Le but, ça va être vraiment essayer de jouer sur ce bleu qu'on a, qui nous donne pas mal de CDR, d'Arras, et d'aller le chercher. Quand il est hors CD, parce que le CD mine de rien des roquettes de Hammer est assez long, très très long, même si le max est quand même très très long. Et là je sais pas du tout ce qu'il max, je pense qu'il max ça. Voilà, on unique ses tourelles pour vraiment l'empêcher, hein. Ça là il a vraiment pas eu de chance, hein. Le matchup est clairement à mon avantage par rapport à ça, par rapport à tourelles, sachant que j'ai vraiment la portée pour pouvoir les faire ultra safe. Donc là pour le coup le pauvre est pas très très bien. On a le bleu qui vient de repop. Non. Voilà, et je creep 53 à 51. Alors pour l'instant, il n'y a vraiment pas un gros écart creep, hein. On voit que d'un côté et l'autre ça se spam. Hein. Ça va sinon? Très bien, easy la famille, tout ça. Voilà. Voilà, on le poke un petit peu, bah ça j'en en profite, on anticipe sa vitesse de déplacement. Et on essaie de se mettre genre bien, quoi. Il y a le bleu qui vient de repop. Attends, je m'occupe de la wave. Voilà, tranquillement. J'arrive mon petit Xin, j'arrive Xigounette. Mais regarde, il est même pas mis live, qu'est-ce que tu me chahutes là? J'arrive! Je cours, je vole, toc toc boum boum.
Voilà, j'ai cru que j'allais pas l'avoir, j'allais être déçu quoi. Alors pareil, le aimer qui part sur son bleu. Attention au potentiel gang sur la botlane, vous êtes vachement avancé. On avait dit le Udyr va pouler et va ensuite décaler sur cette botlane. De fortes chances, non, il n'y est même pas allé. Eh ben tiens, il est pas dans la merde son aimer. Ça va peut-être essayer de me all-in. Non, ça veut pas me all-in pour le moment. Ouh, attention, esquive de Genny. Voilà, le mec un peu fort de l'esquive comme ça, bien. Sissi posé, sexy, swag, easy. TMTC ma gueule. Alors 1000 PO, non. Ah bah voilà, je l'avais dit, le Udyr qui allait ganker sur cette botlane, hein, ça n'a pas manqué. Il y est allé le salopio. Hein. Allez, regardez, il est pas con, hein, il a reposé une tourelle pour virer celle-là. Ça va sûrement revenir par ici. Est-ce qu'il me demande l'ulti? Non, je vais foncer. On va essayer de le choper. Non, dommage. Ah la portée là, c'est un petit peu dommage. Attention Weimer, attention Weimer. Je te le dégage. Ah, c'est moi qui vais morfler. Boom bitch. Voilà, nice. Nice. Oh là là. Oh là là, boom. Oh oui. Oh, c'est Genny. Oh, regardez ce move de Genny. Oh, c'est génial. Allez ça, on le récupère. On a bumpé notre salopard pour pas qu'il puisse tuer notre ADC. Et on l'a défoncé littéralement. En plus, notre ADC a réussi dans l'histoire à récupérer un kill. Ça, c'est magnifique. Et moi qui finis tranquillement le petit aimer au passage en mode no care, si tout ça, qu'est-ce qui se passe, je ne respecte plus personne. Et regardez ça, les deux salopios sont restés dans mon ulti global qui a fait énormément de dégâts. Po, qu'est-ce qui se passe, aucune inquiétude, en mode je m'en bats les couilles, easy. Non, c'est très sympathique, je pense que c'est une fois un perso, une fois maîtrisé, qui peut être ultra... Je comprends pourquoi il est tier 3 actuellement, c'est un des meilleurs. Très très bon, hein, très très bon perso. Il faudrait que je le joue pour pouvoir vraiment prendre conscience à mon avis de son potentiel. Et là on va surtout se barrer. Ah non, je vais en profiter, je vais aller faire les race parce que mon Xin est en haut. Donc du coup ils auront temps de pop. SS mid, attention SS mid. Non, on en profite un petit peu. Ah là j'ai plus de trucs, viens ici. Bah non il peut pas, c'est un caster de merde. Ah salaud. Viens ici. On prend les race et on va... Non vous savez quoi, on va quand même clean. Oh là là, dommage. Dommage cette botlane là qui s'est fait encore niquer. Alors 9 à 7, donc ça va, je suis bien pour l'instant. Même en profiter, je vais rester sur la ligne, hein. J'ai le bleu après tout, donc pourquoi je m'absenterai. Sa tourelle, regarde. Ah, t'es déçu. Comme ça, ta tourelle peut même pas taper mes creeps. Tiens, salaud. Scumbag. Tiens, Zizi, coup de Zizi dans la tête. Putain, ça a de la portée, cette merde. Hop, t'es déçu. Oh, la grenade. Oh, SS, hein. Attention, re du mid. Par contre, je n'ai plus le bleu. Alors, j'ai un peu de gold sur moi, donc on va se prendre une baguette trop grosse, je pense. Attention, ça décale. Voilà, tranquillement. On en profite. Bon, j'ai pas de ward, donc pas de vision. On va se la jouer un petit peu, genre petit bras. Bon, alors, lui pète cette tourelle histoire de vraiment l'emmerder. Parce qu'une fois qu'il est hors CD, il a pas grand chose quoi. Hop, SS. Attention. SS mid, attention au top. T'es vachement. Hein, t'es un petit peu avancé, quoi, pas. Putain, je sais plus où je suis. Hop, voilà, le mec il s'est perdu en chemin. On va prendre ça et on va prendre aussi une petite paire de bottes histoire de se mettre un petit peu bien. Ah mais là voilà, c'était sûr que ça allait ganker au top. Dieu merci, mon Asus a eu le call et s'est barré quoi. Mais je vois qu'ils ont swap. Ah, ça peut être dangereux ou pas, on va voir. Il y a eu un petit swap. Voilà, ils vont essayer de... C'est un très bon choix d'ailleurs, c'est un très bon choix de leur part de mettre Aimer au top pour vraiment emmerder... Attends. Non, Xin, wait. Elle va se barrer 15 fois, 1000 fois, 3 fois, il fallait attendre qu'elle m'engage. Dommage. Ah, si elle m'avait engage, j'en aurais été tranquille. Bon, mais tant pis là. On ne sait pas où est le Xin, on ne sait pas où est la Miss, ça va peut-être venir sur ce top. Donc Nasus a de la vie, donc c'est pas un problème pour le moment. Ah, putain, on voit qu'avec la baguette trop grosse, ça clean assez facilement. Assez facilement, ça ne veut rien dire. Oh, allez, l'ulti, tu vas partir, ulti de merde. C'est bon, je l'ai. Putain, il part pas le pit. Oh, il me l'a décalé. Ah, le sale. Ah, merde, c'est sur moi. Les gars. Tu t'attends. Ah. Ah non. Hop. Vas-y. Ah non, pas l'ulti, vire-la moi, cette saloperie de merde. Ah putain, elle me met l'ulti, elle a la vision. J'ai essayé de la rebrain en mettant pour perdre la vision esprit dans le Nash et reflash de l'autre côté. J'aurais dû flash vers le haut. Mais là j'étais un petit peu court. Ah déçu. Mais en plus, le l'ulti de pute de mon Xin qui, regardez, il était je pense au max, mais vraiment je pense qu'il l'avait, il était quand même dans la range de mon ulti je pense, et le Xin qui a mis le sien et qui l'a sorti justement de mon ulti, tellement déçu. Oh là là, salaud. Bon bah tant pis, première mort, un petit peu déçu quand même quoi. Ton poste sur les fées et la
pour, sur les fêtes et la baisse, c'est un gros fake. Mais non, c'est pas, absolument pas. Absolument pas. Les mecs, j'arrive à tenir plus de 2 minutes. Moi, attention, je suis un génie, quoi. Génie du cul, quoi. Bon, les prendre mon bleu d'attention par rapport au double film. Alors, j'ai des renseignements si vous voulez en interne. On m'a communiqué des dates. Je sais quand est-ce qu'on aura des dates de tournage. Je ne peux pas vous en parler, mais je peux vous dire une chose, c'est que ça avance. Ça avance, c'est plutôt bien. Dégage la toile. Ah bah, le mec est un petit peu en train de mauvais en toucher les. Oh, tu vas te calmer, tu vois, mon petit bonhomme. Attention, je vais réchauffer. Attends, je pèse ça et je pète mon bleu. J'achète chez mon bleu. Ah, je suis déçu quand même là. Je suis un peu déçu. On décale vers ce top et là, je me retrouve pas pris en sandwich entre le Udyr et l'Otcon. Et la vaille, et je me dis, bon bah merde, déception quoi, déception suprême. Oh mon dieu. SS, attention, SS du Mister, le mid, à mon avis il doit être vers son bleu. Enfin, forte chance qu'il soit son bleu. Voilà, on va se mettre un peu de vision aussi tranquille. Ah bah voilà, et en plus il se fait déglinguer, donc du coup on va pousser tranquillement ce mid. Ah bah non, pas si tranquillement que ça. Ah c'est dommage quand même qu'il ait pris un kill. Il a quand même réussi à récupérer un kill tête de mid là. Attends, maintenant c'est dedans. Hop, c'est en train de farmer ça tranquillement. Attention, il y a les copains qui sont en dessous. On a la Caitlyn qui est dans le coin. Mais là, c'est chaud de night, hein, Caitlyn. Moi, je veux bien, mais ça reste hyper tendu, quoi. Sans vision, je vois pas trop. Hein. C'est que. Oh, ah, bah voilà, on est spotted en plus. Donc là, c'est dommage. Hein. Perte un petit peu de temps sur ce move. Perte de clip aussi. Voilà. On va en profiter. Histoire de se mettre bien, quoi. Bon, tant pis. Alors, level 11, le aimer et level 9, donc clairement le aimer qui galère un petit peu. Oh putain, c'est du piqué, non. Dommage. Elle l'a eu quoi? Ah, elle l'a pas eu. C'est dommage. Je pensais qu'elle aurait pu essayer de l'avoir. Ça a poussé au mid, la tourelle bot est tombée, donc là plutôt nice. On a trois spams tranquillement. Non, c'est les miens. C'est les miens de moi. Non mais oh, ça va pas là, dis donc, qu'est-ce que c'est ces histoires? Oh putain de merde. Ah oui, hein. Ça fait mal hein, quand même, hein. Mais attention. C'est pas si on n'a pas vraiment de vision pour aller faire le fou. Je peux y aller à ta place si tu veux, mais. Il n'y a rien pour l'instant. Attention, ils sont encore sur la bot lane. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va clean wave. Regardez, 150. Et là, ils sont déçus, regardez, il n'y a plus qu'un creep. Ils sont pris derrière la tourelle, donc il faut y aller. Là, il faut y aller, les gars. Go sur cette bot lane. Allez, on le fume. Il meurt de l'embrasse. Oh, bim! Oh là là, ce move! Mais c'est tellement bien, Ziggs, en fait! Mais pourquoi je le jouais pas avant? C'est vachement bien, mais les mecs ont été cons, ils ont grid. Vous avez vu, ils ont pris la méga bombe plus la tourelle, tous leurs creeps ont été virés, et PAM! Tabatien! Hein, déçu, hein? Salaud! Allez, on va finir ça, tranquillou. Et on va... Est-ce que non, j'ai un moment quand on a un petit pied bah, pour mes bottes. Oh merde, le con! N'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce que je peux faire ça? Oui, voilà, n'importe quoi. C'est mon fail bouton. Je ne voulais pas les vendre. Je voulais vendre un Doran, mais mon clic gauche n'a pas cliqué sur le Doran. Il est resté cliqué sur les bottes. Comme il a tendance à le faire. Alors, t'es on sur du Eurotrog. Oh non, non, pas du Eurotrog. Si vous voulez, je vous fais du chariot élévateur, hein, si vous voulez, parce que j'ai mes K16 dans la vraie vie. Hein. Aimer AD, comment ça, Aimer AD? Ah bah oui, Aimer AD. Ah bah le mec a pas beaucoup de chance, hein, je sais pas pourquoi. Il était pas AD à la base. Hein. Là, il est reparti sur de l'AD, on va savoir pourquoi. De l'œil murding. Ah bah non! Ah bah non, me pique pas mes creeps! Oula, attention! Oula, y'a du monde à stop! Hein. Mais là, je pense que le Nasus, y'a moyen. Si kite bien. Oh putain! Ah non, t'as foncé dans. Alors là, ce qu'il fallait faire, mon petit Nasus, c'était vraiment tourner autour de ta tourelle. Tourner, hein. Il fallait sucer le poteau, comme on dit chez nous. Boum! Oh! Oh les dégâts! Oh les damage! Ah là, t'es su. Ah là, t'es déçu. Ah, il sait plus quoi faire là. Là ils savent plus, hein. Là on les a chopés, le Xin qui sait pas trop, qui hésite. On a la vision grâce à ça, on va essayer de leur donner envie. Oui. Ah non, tu retourneras pas dans ta cabane toi. Tiens, regarde, en plus t'es slow. Ah bah t'es déçu. Oh putain, oui, oui. Oh putain, 5-1 sur ce Ziggs, il est bon. Ah, tourelle à la con. Enfin, tourelle à la con, souris à la con qui déconne. Attention, oh là, on pousse. Oh là là. Oh là là, suceur de poteau, oui c'est un défaut, c'est une expression pour les mecs qui ont joué à WoW, qui ont joué Druid, tourner autour du poteau, hein, c'est-à-dire c'est de l'aimer un petit peu autour du poteau, comme ça. Oui, voilà, histoire de bien, si tout ça. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, oh, ah, il y a du monde, lâchez-moi, viens Xin, zing, viens, on va les choper, regarde. Putain, je t'aide, je te prends tout, je t'aide, j'ai tout pris, c'est bon, ça va plus vite comme ça. Alors regarde, on va essayer de les choper, j'ai plus beaucoup de mana, mais... Oh, ça va encore. Je pensais que j'en avais moins. Voilà, elle est un petit peu morte, là.
attention, ça flash, on a la vision, ça reflash dans un sens comme dans l'autre, à l'endroit, à l'envers. Boum ! Ah là, ça c'est pris. Attention, on a la vaille qui est au-dessus. Bon, elle vaut pas grand-chose, mais malgré tout, ça fait du kill. Attention, on va essayer d'aider notre Kathleen. Voilà, il va être un peu déçu, lui, je pense. Voilà, un peu déçu, Arty qui récupère le kill. Attention, hein. Vas-y, il faut le choper, là, il faut le choper. Lui, il a pas le droit de partir. La méga bombe dans 2 secondes. 6. Oh, dommage. C'était bien tenté. Attends, il va peut-être essayer le pull dessus. S'il pull, on peut l'avoir, je pense. Hein. Il va essayer d'y aller, regarde, il va essayer d'y aller. Il se prend des coups, on va essayer de lui donner envie, quoi. Attention, hein. il veut pas. Mais attention, fais juste attention à pas me montrer, en fait, me dévoiler, parce que ça serait dommage. Je pense qu'il va essayer de te choper. Il grid un peu ou pas? Ah putain, la ward est pas non. Ah si. C'est bon, la ward est... Bon, mais tant pis. Le Xyx a push le bot. Ah oui, un petit peu, oui. Bon, c'est pas monstrueux, mais... Oh, le grab! Attention, vas-y, tu le veux. Les gros dégâts les... Alors, c'est assez fort parce que le mec lui a mis genre bien la bite alors qu'il n'avait pas. Mais pas du tout d'AP. Assez étonnant. Le mec a quoi en stuff? Ah non, il a un statique. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le mec statique, il t'a rentré autant que ça sous ulti. Très bien. Normal. Boum! Oh là là, il s'est pris ce combo, il a rien compris. Il a fait oh putain, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai bump dans ma bombe, comme ça j'étais sûr qu'il pouvait pas reculer. Eh ben t'étais un peu déçu quoi. Ah ah ah! Alors, mon petit pépère! Ah ouh! Ouh là, ça va. Ah, ça va commit, hein, là, ça va commit. Ah non. Oh, bah, va-t'en là! Va-t'en, je te défonce! L'ulti de Hammer est mixte. Ah, je savais pas. Écoutez, je ne savais. Non, mais c'était l'ulti, sur les roquettes. Je ne savais pas, autant pour moi. Voilà. I got rockets. Yes, I got bombs, motherfucker. Hop, le meilleur tonton, sa grosse boule. Oh, mais non, il en tape en magique, l'ulti des meilleurs. Mais non, mais oui, il tape en magique, puisque là, il a utilisé le stéroïde pour booster ses roquettes. Donc, du coup, c'est ses roquettes qui ont tapé. Qu'on soit bien d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous avez essayé de me prendre pour un mec que je ne suis pas, c'est-à-dire un jambon. Enfin, si, des fois, ça dépend seulement le vendredi. On va peut-être finir aussi ce truc-là. On va finir ça déjà dans un premier temps. Parce que là, hein, franchement, histoire d'avoir un petit peu plus de CDR. J'ai combien de CDR là? 25%, c'est pas assez. Pas assez du tout. Faut en chercher plus. Quoi. 7-1-3, mais ceci dit, je suis bien. La Kathleen aussi est bien avec du 8-1. Donc clairement, elle est bien. Et je vois que. Ouh, le Hammer qui a récupéré. Ouh là-bas, là, oui, non, mais là, le Hammer, à mon avis, il va en récupérer plus d'un. Là, malheureusement, Arty qui grid un peu. Oh, joli! Oh, joli, il l'a eu quand même! Oh, c'est bien ça. Ça, c'est plutôt nice. Il l'a eu quand même. Attention, moi, je vais essayer d'aller défendre un petit peu ce top. 20 secondes avant mon truc. Je vais défendre le top. Qui, à mon avis, va tomber. Ça va être chaud. Ah, il va essayer de le choper, surtout que Ziggs niveau pour pousser l'étoile, c'est plutôt avoir plus de connards dessus. On va essayer de les choper avec le Blitzcrank. Deux connards. Mec poli. Poli en soi. Attention. La putain de sa mère! Viens ici! Bon, bah tant pis. On pourra pas l'avoir. Je pensais qu'en fait le Blitzcrank allait faire le tour. Je me suis dit, mais pourquoi il est là? Et s'il avait fait le tour, je pense qu'on aurait pu les choper. Mais alors là, je vais aller faire mon bleu. Alors j'ai combien d'AP là? 360? Bon, c'est bien ça, très bien, très bien. Ah, on peut peut-être les choper, hein. Ils grinent un petit peu sur... Oh dommage, 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 tellement dommage. Alors je fais ça et j'arrive. Histoire de se mettre un peu bien genre... Alors, toi tu recules, moi aussi d'ailleurs. Je me suis tellement reculé que j'ai fait bugger, quelqu'un... De quoi? Quelqu'un avec moi avec Udyr. Attends, j'arrive. Moi je m'occupe des deux trous du cul au top là. Et ensuite je viens t'aider sur le mid. J'ai envie de le choper là, le Ziggs. Il a quoi le Ziggs? Séculaire, 94 de farm, très bien. Oh non, dommage! Ça c'est dommage. Ça c'est un petit peu dommage. On va essayer un move. Attention, elle a le Black Shield, elle va chercher ce truc. Ah non, y a pas mon Blitzcrank, il a pas suivi, il est en train de se faire défoncer par le Utir. Cours Blitzcrank! Va sous ta tourelle qui n'existe plus! C'est bon, je suis là. On a peur de rien quoi. Attention. On va récupérer ça tranquillement. Voilà, boum! Attention, on voit que les autres canailles sont là, mais regardez, on a l'avantage d'avoir la vision que j'ai posée hein, avec ma petite ward. Là, on peut les choper, je pense. On peut les choper. Déception? Ah bah oui, hein. Je baisse un peu. Oh là! La souris de merde! Et pourquoi elle fait ça? Pourquoi, salope de souris? C'est pas possible, c'est une souris Alienware, le truc, tu te dis, bah elle est neuve, elle a quoi, elle a genre 2 mois, elle part en cacahuète tout le temps. Arrête souris, pourquoi tu me fais ça? Putain, je pouvais passer un boa et tout, le mec déçu. 8-3, bah, ouh, ça pique. Attention, la Kathleen, elle a peur de rien. Oh la Kathleen, elle a peur de rien. Est-ce qu'on va l'aider? Est-ce qu'on va essayer de l'aider? Regarde, j'ai pris l'aggro de la tourelle, j'ai pris l'aggro des tourelles.
Oui, un peu trop d'ailleurs. Oui, je vais mourir. Non, non, Stan de merde. Non, vas-y Xin, bourre-le avec ton ulti. Ah non, la tourelle. Attendez, c'est moi ou le Udyr à un embrase? Ah, le salaud, il joue châtiment embrase. J'avais pas vu. Ah, j'ai voulu aider ma petite Caitlyn. Ceci dit, ma Caitlyn, non plus. Tant pis, c'est quoi, ça ne servait à rien, deuxième mort de la game. Un petit peu grid pour du rien, pour de rien du tout même. Hop, on va prendre ça et on va faire notre petit fléau histoire de se maintenir. Ah là, je pense que là, bah pareil, là il y passe, hein. Il y passe notre petit. Il a quoi, tiens, voyons un petit peu le dire. Il a rien, c'est juste à la Tiger qui lui a fait mal, hein, forcément. Ah, déçu quoi. Allez, non, ils ont juste des boîtiers PC compliqués. Ah non, non, mais c'est pas pour ça, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est juste une souris qu'on a eu. Enfin voilà, on a eu un Alienware, enfin des Alienware qui sont arrivés, il y avait cette souris qui était donnée avec, je me suis dit, bah tiens, on prendra ma souris, on s'en fout. Je me suis dit, bon, ça reste quand même un petit peu mieux que genre la souris Carrefour quoi. Et non, en fait, pas plus que ça. Vas-y, fonce mon coco, viens, mais fonce, canaille. Fonce vers moi, fonce, t'arrêtes pas. Il se fait perdre ma kite, le pauvre, il peut tellement pas là. Bah, qui a un raquette par Maslow, hein, j'ai des bêtises derrière. Entre le knockback plus le slow, là il pouvait pas. Là il ne pouvait pas, mon petit Nasus, hein, il était pris un petit peu. Bah, il était dans le caca. Non, il est à moi. Voilà. Alors, SS, attention, hein, je ne sais pas où ils sont. Oh, je suis déçu, j'ai perdu mon bleu. On va récupérer ça, passage tranquillement. On va essayer de pousser cette mine. Hein. Je voulais le blue. Ah bah oui. Ah, mais regardez-moi cette souris de merde. Elle arrête pas de me le faire en ce moment. Oula, toi tu vas te calmer. Hein. Je te sens un peu énervé pour rien, ma chérie. Vas-y. Pain de C4, c'est la punition, genre le mec, je te respecte pas quoi. Tiens, en plus t'as pris derrière toi. Voilà. Petit... Oula, Morgana. Oula. Oh, jolie la petite cage hein, pour éviter le filet. Est-ce que ça va suffire? Ça va, Goina. Oh, dommage. Voilà, t'as plus de tourelle. T'es déçu. Merde, je me suis dit reculé. Autant pour moi. Ulti le plus dégueulasse de la game. Ah, bah, ils étaient tous bons, fallait bien que j'en rate un au moment donné. Hein, que voulez-vous? Ah, t'es déçu. Hein. Tu croisais vraiment m'avoir avec ta ward, salaud. Oh non, dommage. Tiens, bim. Par contre, attention, hein, le Ziggs est un petit peu en train de pousser. Attention, la tourelle. Ouh, là, ça pique. Ouh, ça pique. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Là, ils ont pris un peu cher quand même dans leurs fesses. J'ai envie de dire, ouais, un petit peu, genre si tout ça quoi. Voilà. Ah, chiche kebab. Ouh, attention, ça y va. Ouh, il est vénère. Ouh, il est vénère. Ouh, il est vénère. Oh, t'es déçu. Entre le slow, le pain de C4, tu ne partiras plus jamais. Non, 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 on a dit, ne part pas quoi. Bah, en même temps, notre petit blitz c'est level 8. Hein. Level 8 avec actuellement, je crois, une victoire. C'est normal qu'il fail un petit peu, c'est grave. Hein. Pas tous étaient des génies du skill shot. Hop, c'est à moi. Je l'ai dit, c'est à moi. Attention. Bon, est-ce que je vais back un coup moi? Oui, comme ça je fais mon vélo. Putain, j'ai envie de le choper lui. Il m'énerve, regarde là. Il me regarde genre vénère avec ses couilles sur la tête et tout. Tiens, boum. Oh, les dégâts. Oh, juste un. Attention, ça go in. Non, mais là on peut se retourner, les gars. Sensible sort. Bon, celui-là était dégueu une fois de plus. Voilà. Allez, on la fume. Nice, attention, ça va me go in. Ah, ça va me go in, c'était sûr. Ouh, les dégâts. Toi, t'es au milieu de mes cris, chérie, hein, donc je sais pas si t'as compris, mais tu vas être un peu déçu. Voilà, on lui a coupé le chemin au cas où elle voulait venir sur nous. Voilà, nice. On va le choper. Boum, hop, ciao, au revoir, GG, well play, tout ça. Voilà, vous avez vu un Ziggs qui tank une. Ah, mais ils ont 15 secondes. Bah, attendez, regarde, on va en profiter. Dégueule par ici. Ah là, très bien. Mec déçu, quoi. Hop. 5-4 secondes, on va peut-être se barrer, là ça sert plus à grand chose, on a plus le gros creep. On va se barrer tranquillement quoi. On pèse un peu, si on pèse quand même. 11, 2, 10, c'est la première game en live avec Ziggs. Genre bien un petit peu, le mec est bien. Je pense que sa ward a dû lâcher, non je vais me mettre là histoire de... Non, je vais aller piquer son bleu, tiens. Voir s'il y a son bleu. Aïe, ça me gratte. Oh oui, ça me gratte. Il y a un bleu, très bien. Un petit peu de la vision, on va voir s'ils vont essayer de le faire ce bleu après pour voir s'il est déçu ou pas là. Attends, hop, c'est bon, à mon avis il va être déçu. Ah, par contre la Caitlyn qui se fait un petit peu choper. Voyons. Bout tu fit. Ah, un petit peu quand même. Alors ça donne quoi au niveau des morts? Qui est mort, tiens d'ailleurs? Notre blitz en 5 fois, 4 fois, notre Nasus. Ah, ça feed un peu là, je suis déçu. J'ai un petit peu. Je suis pas content. Allez, on va one shot aussi le void staff au passage et on finira sûrement par un. Je ne sais pas. Voyons. Merci pour l'IP boost Eclipsia et si on peut le choper ce foutu code. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi qu'il parle.
Alors 11 de 942. Oh ben en plus j'avais pas fait gaffe, mais niveau critique je suis pas dégueu pour le moment. J'ai fait bien pire, hein, mais ça c'est vraiment fort, hein, Ziggler. Putain, je pensais pas que c'était fort à ce point. C'est un peu broken, hein, c'est un petit peu broken sa mère comme hein, tout ça quoi. Ça. Alors ils sont en train de se balader, donc ils ont absolument aucune information. On va les faire free nash là. C'est du sneaky nash. Qu'est-ce qui se passe? On balance tout, hein, on fait pas. Oh. Allez hop, ici côté. Très bien. Voilà un petit nash. Ah c'est dommage, Blitzcrank aurait pu l'avoir à quelques secondes près quoi. On va les choper par là. Regardez, ils vont décaler sur le top. Il va décaler, c'est quasiment sûr. On va le choper s'il vient, s'il décale sur le top. On va se mettre ici, hein. On va se mettre ici. Ah bah non, mais il y va. Mais il est fou. Voilà, là on va se faire choper, mec, hein, je te le dis. Hein. Mec vénère, quoi. Putain. On pèse un peu ou bien. On pèse un peu ma gueule. Ah, souris à la con. C'est infâme. Pourquoi elle me fait ça en continu? Putain, là ils sont fait clean, ça. Oh putain, les cons, quoi. Oh, les cons. Attention, est-ce qu'elle va go in? Bah oui, bah, oh putain, le cleans! Oh le cleans qu'elle vient de se prendre, elle a rien compris, la pauvre! Infâme quoi! Infâme, tellement infâme! Attention, la grosse tourelle! Oh putain! Ah, je suis rentré dedans! Je ne suis pas mort! C'est bon! Avec un peu de chance. Ah non, il m'a tué quand même! Je voulais y aller pour qu'on. Tellement déçu, bon c'est pas grave. Mais change de souris. Mais le problème c'est qu'il y a celle-là dans le box et que les autres elles sont squattées. Ah c'est vraiment chiant par contre. Hein. Pourquoi elle fait ça? Mais en fait à chaque fois que j'ai une souris, elle décode. C'est un truc de fou quoi. Sur le vrai grand écran, le film ou pas. Ça va sortir? Oui, ça va sortir en cinéma. Dans pas tous les cinémas bien entendu, mais dans certains cinémas bien entendu les amis. Ah, oh, je suis déçu pour le dernier move. Je me suis dit allez putain, on va le dégager de ce truc. On rentre dedans, on pète le truc et je ne meurs pas. Non. Alors ça se voyait un petit peu quoi. Ah ouais quand même, Mais et regardez le pire, c'est que le aimer, il a fait mal mine de rien, il a fait mal, c'est assez étonnant. Bon les forcément avec les que du global et les tourelles ça peut faire mal, mais on était pas mal. On était pas mal du tout quoi. Un conseil pour le stuff. Alors qu'est-ce. Attends, regardez un petit peu le stuff de notre Blitzcrank. Alors il avait le quoi le Blitzcrank? 066. Ah bah déjà tu fais pas de phage, je te conseille pas le phage. L'Iron Solari tu peux, c'est une bonne valeur sûre. Je te conseille un Shurelia. Le Iron Solaris, ça marche très bien. Je te conseille de prendre genre peut-être du Randuin ou quoi dans ce genre de game où il y a beaucoup de dégâts physiques, hein, mine de rien, entre le Udyr, la Baille et le Aimer qui jouait AD, hein, étonnamment, on ne sait pas pourquoi. Mais non, ça va, c'était pas mal. Non, globalement, c'est. Qu'est-ce qu'il dit, TG Kate? Qu'est-ce que. Oh, ça donne quoi? 11-3, non, c'est bon, on n'a pas feed, nous on est des génies. Quoi. Oh, ouais, alors quand même, hey, la Kate a fait mal, hein, je regarde, hein, elle a bien roulé dessus. Hein. Mais par contre, niveau forme, j'étais bien. Hein, on peut dire que j'étais pépère dans le genre, regarde les 14. On était bien. Ça a bien roulé. Petite game, hein, petite game très sympathique avec les viewers, avec bah, là, le petit Zig pour la première fois en live. Et bah, écoutez, je pense que j'ai trouvé un nouveau champion à jouer au mid. C'est assez pété. Clairement, en fait, c'est vraiment broken, quoi. C'est très très fort, quoi. Que me dit Shuni? Oh, il me dit oh. Et Sati me dit. Best music please. On verra si t'es sage. Bref, allez les amis, on va couper le local recording. Où qu'il est mon local recording, il est par ici. Voilà, les amis, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux si ça vous a plu, bien entendu, cette vidéo. Voilà, mon Facebook qui est là-haut. Regardez, Arteon le guerrier. Ensuite, mon Twitter, @ArteonNoob. Ainsi que ma chaîne YouTube, Arteon's World, pour pouvoir voir tous les replays, justement, comme celui que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Je vous fais plein de bisous. On se dit à une très prochaine vidéo. Hein, n'hésitez pas à la liker, à faire des commentaires et à la partager, bien entendu. Des gros bisous. Hop, voilà, ça